Troupe, de retour pour un nouvel épisode sur No One Survived. Alors aujourd'hui, on a une petite mise à jour qui a rajouté du contenu. Hop, donc c'est les pièges à zombies. Donc Suimi de bois, c'est des pics qui sortent du sol à mon avis. Un piège à bûche. On a eu ça aussi, un piège à cocktail Molotov. Et des mines. Donc bien sûr, pour crafter tout ça, c'est avec le marteau, faut le poser à l'extérieur. Faut crafter des grenades aussi, des cocktails Molotov. Donc on va aller voir ça après. On a eu des pics en fer aussi. Un boui-boui, là on dirait à mon avis, ça tombe du haut, ça, avec des pics en dessous. Des lames rotatives et un lance-flammes. Et il me semble que c'est tout, hein. Je sais plus trop. Donc ça, ces deux trucs-là, c'est juste à débloquer. Pour débloquer, il faut juste des planches. Ça, je sais plus trop. Je crois qu'il faut du verre, de la poudre à canon, des conneries comme ça. Ah non, ici, c'est des lingots de fer. Tout ça, il me semble que c'est des lingots de fer, ou c'est ça en bas, où il faut que des lingots de fer. Enfin bref, c'est pas très 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 compliqué à débloquer. Donc du coup, j'ai déjà tout débloqué. D'ailleurs, il faut que je prenne du carburant, j'ai vu. On va prendre 4 litres, ça devrait suffire. Là, du coup, aussi, avant de partir, j'ai démonté le truc à animaux et je l'ai posé bien propre ici. Donc je vais attendre qu'on arrive au printemps pour poser les animaux. J'ai été chercher des cochons et puis des petits machins jaunes là. C'est pas des canaris. Des poussins, voilà. Donc je verrai si je peux tout mettre dedans d'un coup ou si c'est uniquement à part. Hein. Et là du coup j'ai fait de la petite construction pour essayer tout ça. Ah oui, il y a eu ça aussi. Attends. C'est où? C'est où? C'est où? C'est où? C'est la même chose que les pics, sauf que c'est des pics en fer, en fait, tout simplement. Ah ben, je crois qu'il n'y a pas besoin de les débloquer, on les a de base. Hop, donc c'est tout à crafter avec le marteau. C'est quand on va en extérieur, voilà. Donc oui, ça, voilà. C'est la même chose que les pics en bois, mais on les a de base. Vous voyez, tout ça, c'est tout à construire ça. Et ça, j'en ai pas mis parce que, vous voyez, c'est dans la neige. Et puis, bah, on voit pas quand on pose. Donc, bah, tant pis, j'essaierai plus tard. Et là, du coup, j'ai fait tout ça pour faire quelques tests. Donc, à savoir aussi que la bûche en bois, il suffit de passer là. Hop, on va essayer de pas se prendre dedans. Par contre, pour tout le reste, eh ben, il faut de l'électricité. Donc là, attention, il y a un petit piège à cocktail Molotov, hein, vous voyez, on le voit à peine. Donc les mines, c'est pareil, j'en ai pas posé. Parce que bah, dans la neige, on les voit pas. Donc j'attendrai le printemps pour essayer ça. Et du coup, oui, pour que d'ailleurs le lance-flamme, il faut aussi hop, de l'essence dedans. Voilà. Et donc pour ces trois-là, déjà, il faut de l'électricité. Donc là, je vais reculer un petit peu. Hop, donc là évidemment hein, j'ai crafté un petit banc vite fait avec une batterie. Donc là j'ai utilisé mes compos, ma foi après si en démontant, d'ailleurs j'ai pas regardé. Est-ce que je pourrais récupérer les composants? Oui, c'est nickel. Ça on peut démonter ça à mon avis. Ah si, je peux récupérer aussi. Ça c'est pareil, ça c'est pareil. Et puis ça on s'en fout, de toute façon c'est que du bois. Donc là pour remettre... Faut que je la remette avant que j'aille chercher les zombies. Hop. Donc ouais, j'ai essayé ça. Donc là, même principe, hein, électricité, voilà, bah vous mettez là-haut ce que vous voulez. Moi j'ai mis 0,1 test. Enfin je voulais mettre test, mais il y avait déjà le 0,1, du coup ça s'est mis après. Et là voilà, il suffit de connecter. Charger, il n'y a rien. Donc je sais pas à quoi ça sert, peut-être dans une mise à jour future. Et après là il suffit d'allumer. Voilà, c'est des lames qui tournent, c'est cool. Le lance-flamme, j'ai pas essayé encore, parce que j'avais pas d'électricité. Enfin si, j'avais l'électricité, mais j'avais pas. D'accord.
Ça tourne en permanence. C'est un peu dommage. Chargé, ouais, y a rien. Là, ça va, ça a pas l'air de diminuer trop. Et bah ça voilà, c'est le truc en pic. Donc même principe, hein, il y a un truc chargé, on sait pas à quoi ça correspond. Là on connecte, on déconnecte. Et ici il y a ouvert, fermé, donc ça c'est pour mettre en route. Par contre surcharge, j'ai beau cliquer. Ah peut-être recharger. Parce que si ça tombe après, hop. Tiens d'ailleurs on a un zombie là, on va essayer, tout simplement. Viens voir Pépère. Voilà, premier test. Ok. Bon, ça remonte tout seul, c'est nickel. Surcharge, je sais pas à quoi ça correspond. Ouais, y a rien de. Bon, en tout cas, ça tue le zombie déjà, c'est cool. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer celui-ci. Hop, sans se le prendre dans la chaudron. J'ai pas regardé d'ailleurs si ça pouvait me tuer ou pas, mais. Je préfère pas essayer. Ah, j'avais vu un petit zombie. Forcément, d'habitude, il y en a plein, et puis là, maintenant que j'ai construit, il n'y en a plus, quoi. Ah, j'ai bien vu un zombie, là, tout de suite. Ah, voilà. Voyour! Viens voir, viens. Viens chercher bonheur. Ah, nickel, elle vient. Ok, bah ça c'est déjà plus efficace a priori. Hein. Hop, fermé, c'est cool. On va essayer. Putain, ouais, y a pas assez de zombies là, fait chier. Si, tiens, y en a un qui vient de spawn. PK, viens voir, cousin. As-tu une balle dans la patte? Il va peut-être venir comme ça. Ah, faut juste pas être pressé, quoi. Ah, tant pis, on va essayer ça en premier. Puis après, on essaiera le piège à Molotov. Allez, viens! Faut que je te pousse. Hey, te presse pas surtout. On a tout notre temps. Alors d'ailleurs, si ça diminue vite ou pas le. Parce qu'il va bien passer dedans. Déjà, ils sont teubés, ils voient même pas les pièges. Ok. Et là, ouais, plus qu'un litre, ça par contre, ouais, l'électricité plus le carburant, par contre, c'est efficace, hein. Bon, allez chercher un autre zombie.
On va peut-être faire plus simple. Donc a priori, quand on construit, il n'y a pas de zombies qui spawnent autour, quoi. Grosso merdo. Parce que là, d'habitude, il y a plein de zombies et depuis que j'ai construit, ça spawn plus, quoi. Là, il y en a un derrière. Hop, 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 hop. Ah si, ça respawn là, c'est cool. Ah putain, il forcément lui il court vite quoi. Ah, il est où le piège? Ah, j'ai marché dessus. Putain, c'est pas moi qui devais marcher dessus, c'est Zomba. Ouais, ça c'est pas. En tout cas, faut qu'il passe dedans quoi. S'il passe pas dedans, forcément ça ne fonctionne pas. Puis il va pas vouloir passer dedans, tu vas voir. J'aurais dû prendre une bouffe qui va bien là. Vas-y, mais putain, enculé! Voilà. Ok, donc ça c'est efficace aussi. Par contre, ouais, faut le renclencher à chaque fois, quoi. Donc pendant les attaques de zombies. D'ailleurs, faudrait bien que je lance une partie de mon côté et mettre les zombies, là, les attaques de zombies, que j'essaye voir combien il y en a qui spawn. Donc là, on a tout fait. Donc pour l'instant, ouais, le piège a. Voilà, c'est moi qui l'ai pris dans la gueule, mais je pense que celui-là est quand même beaucoup plus pratique. Parce que l'autre est quand même assez petit. Celui-là, ça fonctionne bien. Celui-là, ça fonctionne moyen. Par contre, il se recharge tout seul. Celui-ci marche bien, mais il faut le recharger à chaque fois manuellement. Donc maintenant, je vais essayer les barrières. Je voudrais voir si les zombies défoncent les barrières ou pas. Ok, ouais, lui il est vénère. Je teste les barrières en bois. Ah, ça pique! Ok. Ouais, taille, taille! Ah putain, je l'ai pris! Je vais le laisser baisser ça. Ça évitera que je le reprenne dans la chaudron. Ah, mais on voit pas s'il y a du dégât ou pas. Attends. Oui, d'ailleurs, faut que je régène un peu parce que j'ai plus garde de vie du coup. Oh là, oui, 11. Donc, je vais aller chercher de quoi régène. Et je vais prendre une petite bouffe pour l'endurance là. Sinon, ouais, voilà, faut que je m'arrête de courir toutes les 30 secondes, c'est casse-pieds. Craft soin, soin. Attends, je crois qu'il m'en reste dans la table. Voilà. Quelques-unes sur moi parce que à mon avis du coup de la bouffe ça donne un bonus oui pas de bonus pas de bonus pas de bonus pas de bonus
Juste pareil, il faut que je finisse mon frigo, hein, parce que là j'ai planté de l'agriculture, où j'ai mis je sais plus quoi, des fraises, des concombres, des conneries comme ça. Et quand ça aura poussé, ce que je ferai, j'y mettrai dans le frigo, et puis j'irai chasser quelques animaux, et après je ferai un petit épisode cuisine, pour voir ce qu'on peut faire, ce que ça produit. Puis essayer de faire des conserves aussi, tant qu'à faire. Je voulais faire quoi? Je vais retourner aux zombies du coup. Là oui, je ferai les animaux en même temps que la cuisine. Ah oui, apparemment les graines se stackent, c'est ça que j'ai pas regardé. Avec la mise à jour là, je crois que si j'ai bien compris, les graines maintenant se stackent. Enfin, les paquets de graines se stackent. Parce que là, ça prend une place phénoménale dans le coffre. Bon, monsieur les zombies. Allez, viens, pépère. Ah, là, maintenant ça respawn une fois que je suis passé, quoi. Il me suit plus? Si, c'est bon, il arrive. Ah, je voudrais bien voir s'il se bloque derrière ou pas. Ah, bah il s'en va. Ah là, nickel. Donc là, est-ce qu'il va passer au-dessus ou pas? Ah, donc il se pique déjà, c'est cool. Alors, est-ce qu'il va les casser? Parce qu'en début de partie, faire des trucs en fer, ce sera pas possible, je pense. Donc ouais, déjà, c'est... Oh ouais, ok. Ok. Donc déjà ça a l'air un petit peu plus efficace que les pics en bois. Je vais retourner chercher un zombie. Merde. Bon, il vient. Ah, je voudrais le mettre dans la boîte celui-là pour voir si quand combien de temps. Parce que je sais qu'il défonce les portes. Il défonce les portes sur les bâtiments préconstruits. Mais là, je voudrais voir justement combien ils font de dégâts. Hop, 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 hop! Ah, il va trop vite, l'enculé.
Ah, ils vont se taper dessus, tes ânes. J'ai des zombies de compagnie. Bon, bah là, je vais les laisser s'acharner, voir si les murs prennent des dégâts ou pas. D'ailleurs, est-ce que je peux voir si. Ah, voilà, durabilité, ok. Ah, donc les murs prennent quand même des dégâts. Ah, il y a deux zombies, ça prend cher quand même. Et là, non, ça a pas pris de. Si, celui-là un petit peu. Merde, j'ai cassé. C'est pas ce que je voulais faire. Je voulais réparer, moi. Ah, voilà. Avec le clic droit. Et là, est-ce que ça a pris des dégâts? Ah, un petit peu quand même. Hein. A priori, il n'y a besoin de rien pour réparer. Parce que là, j'ai rien dans mon. Dans mon inventaire. Ah, il prend cher le mur quand même. Ok, ouais, si ça répare bien quand même. Non, mais viens taper celui-là. La fenêtre est là. Voilà, c'est 4 de la porte qu'a pris. La porte aussi, elle prend. Ah, donc je vais laisser celui-là. Voir un petit coup. Bon allez, on s'active les gars là. Ouais, en plus ils sont deux quoi. Donc ouais, faudrait que je relance une partie de mon côté là. Que je mette des hordes de zombies pour voir combien ils spawnent. Par combien il spawn, à quelle heure, si c'est une heure tout le temps régulière ou si c'est au hasard dans la journée ou la nuit. C'est con d'ailleurs, putain, on peut pas changer après, à moins que je vais regarder au cas où, mais ouais, non, voilà, on peut pas changer après, c'est dommage. Ah d'ailleurs, là, voilà, c'est passé en jour. Temps pour son tâche de zombie rapide. Pour cent nombre de zombies, cycle d'attaque. Ouais, là faudra que je regarde si je peux pas mettre sur une partie. Je regarderai si je peux mettre tous les jours échelle de vague de horde. Ok, ouais, bon, je regarderai tout ça de mon côté. De toute façon, ah là, ils sont deux, ils ont quand même. Ils ont quand même bien défoncé le mur. Hein. Bon bah c'est fait. Attends, viens. Hop là. Six. Ouais, je pense qu'ils prennent les pics en fer prennent quand même moins de dégâts que les pics en bois, mais ils coûtent un peu plus cher. 4 lingots de fer. Alors que là, faut uniquement 3 bûches de bois. C'est dommage, j'aurais bien essayé ça là, mais faut que j'attende le printemps quoi. Déjà là, il y a un moteur, donc à mon avis. Ah, et puis il faut des lances en fer, putain la vache. Là, des lances en bois, je pense que j'essaierai celui-là. Parce que celui-là, à mon avis, vu qu'il y a un moteur, faut certainement d'électricité. Ah bah il est mort, le zombard. Ah donc ça prend un peu de dégâts quand même.
Ouais, bon, ça a bien réparé. Déjà, il n'y a pas besoin de composants pour réparer. C'est déjà un bon point. Là, bah, maintenant, je sais que ça prend du dégât. Et bah, c'est tout ce qu'on a à voir pour l'instant. Après, les mines, bah, faut que j'attende. Bah, déjà, il me faut. Merde. Pour les mines, il faut des grenades. Lingots de fer, c'est pas le problème. Par contre, les grenades, il me faut. Je vais retourner. Je vais manger ça, hop. Parce que les grenades, je sais que c'est un peu chiant à crafter. Alors, c'est pas pour rien que j'en ai pas encore. Là, j'en ai fait que quelques-unes. J'en ai fait trois d'ailleurs, quelques-unes. J'en ai fait que trois. Je crois que c'est là-dedans les grugrues. Les grugrues, ici. Ah, donc faut de la poudre à canon, du plastique, lingot de fer. Et pour la poudre à canon, c'est ce qui est le plus chiant à crafter. Poudre à canon, voilà, faut du salpêtre. Donc le charbon de bois, c'est facile, hein, il suffit de prendre des bûches, les mettre dans le feu et de faire du charbon, enfin dans le four. Par contre, le salpêtre, faut aller le farmer. J'ai pas trouvé de grotte encore. Bah, des grottes, pour l'instant, j'en ai fait qu'une et. Bah si d'ailleurs il y a du salpêtre, je dis de la merde puisque j'en ai trouvé plein. C'est dans la grotte qui est là. Dans cette grotte-là, il y a du salpêtre. J'y suis allé pour farmer mon fer d'ailleurs, parce qu'il y a plein de fer en masse. Et il y a le salpêtre. Donc il faudra que je retourne. Hein? Ah oui, j'ai plus qu'un bidon. Alors je vais les reprendre, je vais remettre ça dans le. Dans les générateurs. Ah oui. Faut que je regarde les graines là. Parce que ça m'intrigue cette histoire. Le reste, on va les mettre dans l'autre. Voilà, et du coup les graines. Hop, et là oui, donc du coup j'ai planté quoi? Est-ce que c'est marqué? Non, c'est pas. Ah si, fibres végétales, concombre, carottes, tomates, blé. Donc du coup, ouais, j'ai mis des pots hydroponiques, hein, parce que ça. Enfin là, j'avais mis du maïs dans les deux pour justement voir la différence. Et là, quand j'ai récolté les pots hydroponiques, a priori, ça récolte plus. Donc là, j'ai encore fait le test avec le blé au cas où. Et du coup, les graines. Yes! Voilà, ça va quand même prendre beaucoup moins de place. Merde. C'est quoi, graines d'herbe? Graines de blé. Merde. Ah, bon, c'est cool. Tiens, graines de pommes de terre, graines de fraises. C'est cool déjà qu'on puisse se stacker parce que là, ça prenait de la place, c'est abusif quoi. Et du coup, bah là, du coup, je vais attendre le printemps. Hein. Donc là, on met de l'eau, là, on met du fourrage. Donc j'ai regardé le fourrage et on peut en mettre 6 sacs d'un coup. Et après, c'est plein. Donc je verrai avec les animaux. Ah bah d'ailleurs, on arrive bientôt. Ah, nickel, au printemps. Donc je regarderai avec les animaux s'ils peuvent se reproduire, si ce que j'ai vu, il y a des mâles et des femelles. Donc, s'ils peuvent se reproduire, c'est cool.
parce que j'aurais pas besoin d'aller rechercher à chaque fois. Et du coup, bah, bilan des pièges. Le lance-flamme, bif-bof, parce que étant donné qu'il faut mettre de l'électricité, plus surtout le gasoil, là, ça va être un peu casse-pied. Les lames, nickel. Par contre, faut penser à les allumer, forcément. Celui-là, c'est pas mal aussi, parce qu'il se recharge tout seul, mais bon, faut de l'électricité, et c'est pas... On l'a vu, hein, c'est pas très très efficace. Je crois qu'il est tombé, il est tombé 3-4 fois quand même avant de tuer le zombie. Celui-là, c'est efficace, mais il faut le recharger à la main. Donc ça peut être problématique pendant les hordes. Les piques en bois, ben, ça disparaît. Enfin, ils se font casser quand même assez facilement. Donc ça peut protéger. Je pense que si on en met deux ou trois lignes, je pense que ça peut être quand même efficace. Bon, par contre, après, pour les réparer, peut-être pas si simple. Et les piques en fer, quoi, les piques en fer, je pense que piques en fer plus les lames, parce que les lames, on peut passer, voilà. Non, on peut pas passer en fait. Mais bon, si on les arrête, ah merde, j'ai enlevé l'électricité. Ah, c'est pas mal, hein, Féfé. Hop, ouvert. Donc si on les met droite. Hop. Voilà, en imaginant qu'on en met, par exemple, là, à la place de ça, on met des pics. Comme ça, on ouvre ça, et puis là, hop, on peut passer à chaque fois. Genre, pour mettre, on met des pics, tout autour de la base, par exemple, comme j'ai fait là, et puis devant la porte, là, on met mettre le piège. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc voilà, petite mise à jour assez cool. Donc du coup, bah, tout ça, je vais tout redémonter, hein, récupérer mes composants. Le piège là que j'avais mis, ouais, je sais pas. D'ailleurs, est-ce que maintenant... planche, fibre, bois. Planche, fibre, bois. Donc ouais, bah ça au pire je construirai. Hop, je vais mettre l'autre à côté. Qu'est-ce qu'il me faut? Moteur, lingot d'acier. Non, j'ai pas ce qu'il faut sur moi. Et il restera les mines. Mais bon, les mines, ouais, voilà, c'est tout petit. Est-ce qu'on peut les mettre dans la maison? Donc on peut les mettre sur les structures. Par contre, est-ce que ça casse les structures? La question est bonne, surtout qu'en plus elles sont petites, donc je ne sais pas si nous on marche dessus, est-ce que ça explose ou pas? Bon, lingot de fer, une grenade. Ouais, je préfère quand même garder les grenades à la main. Et les lancer moi-même. Là, ouais. Bah, du coup, ce que je ferai, je vais construire. Parce que là, j'ai plus de planches, j'ai plus de fibres. Bah, il me faut des lances en bois aussi. Donc, va falloir que je refarme un petit peu. Surtout du bois, quoi. Et bah on regardera au prochain épisode si ces pièges-là fonctionnent ou pas. Donc là, 34 000. Ouais, bah du coup, je vais m'arrêter là, je vais redémonter tout ça, reconstruire ça, refarmer un petit peu, tranquillou pilou. Et puis on se retrouvera dans une prochaine épisode. Allez, tchuss!